On se retrouve donc pour cette vidéo, la première dans le rétro 2000 pour le compte de la chaîne de Fun Champagne YouTubers. Alors d'abord, on tient à s'excuser donc d'avance pour Dark 2, car malheureusement, on n'a pas pu faire la partie montage sur Code Master, car tout simplement la tablette donc vraiment tombée en rade, sans excuse. Donc décidément on joue avec la malchance. Depuis 2-3 jours. Donc aujourd'hui on se propose tout simplement du rétro dernier sur Super Mario Bros 3. Alors donc c'est pas officiellement sur un émulateur qu'on fait. Aïe, là je suis tombé. Et puis donc Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3 de nous, je suis plus souvent en sur Super Mario Bros 1 et 3 parce que simplement le premier là, celui là pas, il faut le passer par là. Puis je vais surprendre la montée de 3, c'est notre préféré. C'est avec l'instant tête où il y a eu un problème avec la toute dernière sur l'instant tête que j'avais faite. Heureusement que j'avais les vidéos de Drag Race de réserve que j'ai tourné sur Grand Turismo 6. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre donc tout simplement pour notre antenne on a réglé le souci. Donc du coup on va pouvoir vous faire une vidéo sur notre antenne comme d'habitude. Sauf que ce sera, sauf qu'elle sera numéro T7 et pas 6. On n'a pas eu le temps de prévoir, on s'en excuse. Par contre, pour Grand Turismo 5, là, ça n'a aucun rapport avec tous ces aléas techniques. On a juste décidé ça à l'amiable avec le Mordol, qui est le boss de la communauté de la chaîne Fun Champagne YouTubeur. Donc, c'est lui que j'irai. Moi, je lui ai fait une petite suggestion et. Et donc, on a réussi à trouver un accord. Les petits champignons, voilà. Donc du coup, on fait du retro gaming, du FCTZLA et... Ah merde, je suis tombé. Encore une fois. Là, j'ai intérêt à faire un peu plus attention, hein, deux fois que ça m'arrive. Que le deuxième la route que le rétro gaming, ben là on est inversé, c'est à dire que je au début commencer par Colin McRae 2.0 et autres, je le PXI qui sont émulés sur ma tablette, mais par malchance dû au fait que la tablette de l'envasement est disponible et dans un petit état, et bien tout simplement on commence donc par celui-là et les jeux donc je trouve qu'il est lent et il saute pas, voilà. C'est ça le problème, il saute pas assez haut ou pas assez vite. Et c'est un sérieux handicap pour moi.
pas de chance, je suis bridé sur ce frigo-là. Heureusement, c'était plus pratique à chaque fois. On était deux et cette fois, je suis tout seul. Voilà, si on faisait des parties comme ça entre moi et lui en vol, moi je me tapais le premier, lui il s'appelait le deuxième. Voilà, j'ai déjà perdu lui sur le premier niveau, j'avais perdu déjà trois mecs sur le deuxième, j'ai intérêt à faire attention. Ah, punaise! Ah, ce sera un avertissement celui-là. Ah, punaise! Là, souvent, quand il me reste qu'une seule vue, je fais vraiment n'importe quoi. Petit peu le désavantage que j'ai. Voilà, ça y est, je vais passer cette fois-ci ce Goomba de malheur. Choper, ouais, tiens, deux champignons, ça va être bon. Ça va être bon signe, ça. Alors, j'avoue, d'arriver, donc, on choper une carte. Bah, si vous avez trois fois la même carte, ben, ça fait valoir un gros pactole. Enfin, juste ça, moi. Je suis perdu l'habitude du fonctionnement de ces cartes, j'ai jamais compris. À quoi ça servait. Oh merde! Alors là, il a le frais marteau, donc là, c'est. Ça c'est chelou, c'est tout simplement et voilà. Bon bah tant pis, voilà, on est repassé. C'est donc au niveau 1. Je vais essayer de mieux jouer cette fois. J'ai tout perdu sur le niveau 2, du coup ça c'est chiant. Donc il va falloir que je sois un peu plus efficace. Hein. Donc je vous disais donc, sur le coup, j'ai prévu de vous filmer mes jeux PC que j'ai mis sur ma tablette avec un émulateur qui émule de tout. D'ailleurs je vous ferai une courte présentation, d'ailleurs je vais vous en faire une sur cette vidéo, parce que ça sera déjà fait. Mais par contre, je vous le dis, voilà, donc vu le fait que la tablette voilà, a lâché, et voilà, je retombe au même endroit, bizarrement, quand je suis... Quand je suis géant, j'arrive pas à sauter. Là, ce que je vais faire, je vais plus le prendre ce champignon. Comme ça, tu tires bien. Quand je suis petit que j'arrive à sauter. Vraiment que ce soit plus loin où j'avais fait ma première gaffe. Je ne sais plus. Ah merde. Ouf. Là je suis chaud. Cette présentation de cet émulateur, alors donc ça s'appelle alors donc il fait de tout, il fait du PSX, des jeux Sega. Bon, Sega, j'ai pas vu exactement, j'ai utilisé N64, Nintendo 64 et Game Boy Advance, Game Boy Color, tout Game Boy, mais bon, Game Boy ça marche pas très bien. Soit le jeu, soit l'appui crash, ou alors c'est la roue, ou alors c'est la roue du jeu qui reboot quand j'appuie sur A ou B, ça c'est chiant. Par contre sur PSX, c'est pas voilà, donc ça fonctionne. Bon, il y a certains jeux qui fonctionnent pas, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a un qui a une preuve avec Toka le premier, et moi j'ai tout simplement eu un problème avec All-Star Racing qui ne marche pas du tout. Voilà, je peux pas jouer, j'ai juste les menus du départ quand le jeu se lance et c'est tout, donc du coup j'ai donc décidé d'abandonner. Alors, All-Star Racing, tant pis, pas grave. Heureusement que j'avais plein d'autres.
D'ailleurs, je vais en tester plein. Donc, du contenu assez varié. Alors, cette fois-ci, je passe du grand du coup, ce niveau. Donc, ouais, j'ai donc testé avec la manette PS3. C'est compatible avec une manette PS3, du moins, et ça marche donc. Et ça attendra, puisque la tablette normale est la chaise. En service, hein. Je parle pas. Voilà, non, hein, je fais pas de la politique là. Oh, pénis. Oh, là, j'ai tué frère marteau. D'habitude, j'esquive. J'esquive son boomerang ou alors je saute carrément par-dessus de lui pour tout éviter. Et là j'ai carrément désingué. Ah d'habitude c'est quand j'ai un coup pas et que j'ai une carapace que je le désingue. Donc là vous comprenez que c'est pas facile tous les jours. Attends, enfin un marteau, je vous assure, ça va être un casse-tête. Et ah punaise, et voilà, là je me suis fait avoir un gros. Et j'ai deux vies perdues, j'aurais déjà perdu une autre une fois, je vais pas refaire comme là. En perdre trop au bout du troisième niveau. Parfait, il en a préparé un deuxième, et voilà, j'étais à la charge. Sécurité, donc je vous conseille de faire ce que je vais faire si vous avez ce genre de jeu et que vous n'arrivez pas. Bon, par contre, pour faire un marteau, je vous assure, je suis vraiment très très la ramasse pour ça. Pour éviter les mille balles ou les canons qu'autre chose. Et alors. Et je gagne deux vies. Et là, les deux vies que j'ai perdues, je les ai récupérées. Alors maintenant, vous allez voir votre petit truc. Et je gagne un champignon, plutôt pas mal. Ah, ce genre de niveau, ça c'est. Ah, c'est dinguissime! Et c'est le seul niveau où vraiment Mario arrive à sauter vite. C'est un peu con, même d'ailleurs très con. Le niveau de Mario arrive à sauter vite et loin en plus. Les joueurs, ça me sidère. Ah, bref, donc je sais plus ce que je voulais dire là. Donc, ouais, la programmation de, du coup du. Retro Gaming, alors là vous avez pour le coup Super Mario Bros 3, ouais, vous aurez là cette là normalement je pense peut-être plus vers jeudi aux alentours vous aurez droit à du Need for Speed, du Need for Speed Underground 2. Punaise, là ça saute pas. Là, je vous le dis, moi ces niveaux ça bouge comme ça, je les aime pas. Là c'est autre chose encore. Voyons voir. Ça sera un petit champignon. Merde, la fleur, moi je suis perdu. Ah ouais, je suis deck. Je
Puis là, j'ai pas de bord. Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez sauter les niveaux, donc du coup, je vais pouvoir vous montrer celui-là. Si je perds, alors, tant pis. Sauter de loin dans un autre niveau là les armes il fait pas donc ça c'est assez chelou. Ah là, je suis pas allé bien loin. Parce que je ferais gros de base et que Yoran en vrai je prendrais Luigi. Je laisserai Mario. Eh voilà, ça marche pas non plus, bah décidément je laisserai Mario, je prendrais Luigi. J'arrive bien avec Luigi moi. Mais j'ai pas pu aller loin. Mais c'est pas grave, hein. Me dites pas que vous avez pas prévenu, je suis goody quand je joue Mario. Moi c'est pour ça que je prends toujours le G. Donc voilà, dans les autres jeux, je vais vous les montrer un petit peu. Alors, ah, Super Mario le premier, Super Mario The Last Level, bon, c'est comme le premier, sauf que c'est un petit truc assez spécial, on va dire. Je crois que c'est ça cause, ouais, c'est un truc comme ça. Super Mario Bros. 2, alors là, celui-là, le premier niveau, il est impossible à réaliser, donc du coup, celui-là, on le laisse béton. Et donc le 3. Et donc, non pour le coup. Et ben, avec l'envoi, on se retrouvera pour du Super Mario Bros 3. Donc, on se retrouve donc très bien pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et donc, d'ici là, donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien, c'est Diplo. Bye bye. Et. À vous les studios, petite gag. De ma part, qui est très...